Pifo. Ça va bien, ma poule? Ça va bien, ma puce? Ça va bien, ma puce? Bienvenue à la clinique, ma petite poulette. Je te sens très énervé, hein, Robinson Pifo. Ton énergie de ta colère, je sens ça jusqu'ici. Non, 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 tu es totalement fâché. C'est comment? Je me suis dit que non, peut-être que tu as encore la frustration du fait qu'on t'ait nommé proviseur du lycée bilingue. Je crois que ça te dérange, mais je te sens très en colère. Et là, je n'ai pas eu beaucoup de... Je me suis dit que peut-être... Tu as vu qui est là, non? Mais comment tu ne le vois? Tu ne le vois pas? Mais c'est pas ton... Mais voilà ton copain. Mais c'est Sonio! Le mari de Laetitia. On ne peut pas faire comparaison, Balcero. Tu as été un artiste qui a eu le succès. Tu as eu le succès. Mais tu n'as pas bâti. Tu n'as rien investi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu veux te rattraper en faisant les vidéos, en devenant blogueur, tiktoker, parce que c'est le métier de l'heure. Bizarrement. Mais je crois que il t'a appelé en renfort, quoi. Vous êtes ici, vous unissez vos forces, tous les deux. Peut-être que, en répétant les mêmes choses, chacun à son tour, ça va devenir plus grand, quoi. Fait que vous êtes dit que, bon, si toi tu répètes, par exemple, que Valsego dort chez une femme, il a fui au Cameroun, il a fui au combat, il n'est rien. Toi, tu finis de dire ça. Et lui aussi, il dit aussi la même chose. Toi aussi, tu dis la même chose. Tu avais une voiture CD, et tu voulais un CD au Cameroun. Est-ce que tu es diplomate? Tu es un jongleur? La femme va te chasser de la maison, tu dors dans le canapé, va sortir le chien. Dès qu'il finit de dire ça, tu viens aussi. Wow, on avait cru en toi. Ça, j'étais pas au courant. Hein, que... Allez, donc, laisse-moi faire mon show, dis donc. Vous êtes deux cobayes pour que je m'amuse. Mais j'amuse mes copains avec. Vous croyez qu'à part ça, vous me servez à quoi? Non, 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 pas ça, vous ne me servez à rien. On n'a aucun vrai problème. On ne va jamais se croiser, ni l'autre ici, ni l'autre là. Donc, on n'a aucun vrai problème. Moi, je vous coche. Non, les gars, vous ne pouvez rien. Moi, je vous coche. Je vous coche tous les deux. Parce que ça m'amuse. Parce que ça m'amuse. On ne peut pas faire comparaison, Balcero. Tu as été un artiste qui a eu le succès, tu as eu le succès, mais tu n'as pas bâti, tu n'as rien investi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu veux te rattraper en faisant les vidéos, en devenant blogueur, tiktoker, parce que c'est le métier de l'heure. Bizarrement. Tu n'as rien gagné de toute ta carrière, rien gagné. Je connais où tu vivais à Bastos, dans la villa de... Non, tu ne sais même pas où tu vivais, c'était pas chez toi. Tu vivais dans la villa de la femme blanche, là, où tu avais planté, où tu semais la drogue, là. Hein? Où tu avais planté ta drogue, machin, machin, et tout là. Faites attention. Faites attention aux gens comme lui. Il est en train de détruire la jeunesse. Il est en train de détruire la jeunesse, tout doucement. Mais les fans, bêtes, idiots, le suivent aveuglément, sans comprendre qu'il est en train de vous mener en pâture, carrément. Il est carrément en train de vous mener en pâture. Valsero a un BTS, je pense, c'est en télécommunication. Pourquoi il n'a pas excellé dans ça? C'est un paresseux. C'est un paresseux. C'est un paresseux. Il était animateur radio. Il n'était pas un excellent animateur. Il n'était pas un excellent animateur. J'ai une licence en com, contrairement à toi, qui a un BTS. Donc, mais arrête un peu. Laisse William. William ne t'a rien fait. Bon, voilà, le couple William Seigneur et Laetitia, ils vont se séparer. Tu vas gagner quoi? Si ce n'est pas la haine que tu prends partout sur Internet. C'est pas la haine que tu prends partout sur Internet. Et il n'y a que des paresseux qui deviennent PD. Il n'y a que des paresseux qui deviennent PD pour avoir certains pouvoirs. La preuve, le voilà qui est parti appartenir à la communauté LGBT. Le voilà qui appartient à la communauté LGBT. Bizarrement. Vous avez vu les vidéos où il fait carrément les vidéos avec les t-shirts des LGBT. Il dit dans sa vidéo qu'il soutient les LGBT. Vous n'allez pas me forcer à appartenir à votre cercle là. Jamais. Je suis un dur à cuire. Moi, Pifo, je suis un dur à cuire. Très dur. Et si tu veux essayer, Balcero, moi, laisse même le William là. Je te traîne au sol sur Internet, c'est là. Même pendant 2 mois. Même pendant 2 mois. Comme tu n'as rien à faire, je ne travaille pour personne, je travaille pour moi, je suis mon propre patron. Tu as tout le temps, j'ai tout le temps. On va se faire ça bien, frère. Bien. Bien.
N'importe quoi. Amuse. Là, Seigneur t'a appelé un renfort. Il t'a dit, est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il a tapé le boule de l'autre fille? Il t'a dit ça. Tu peux faire ça. Comme tu entres en renfort, peut-être que vous étiez même ensemble. Mais alors, tu parles quoi? Tu étais là. Tu étais là. Mais qui, quand tu dis qu'il a seulement tapé le toutou, qui t'a dit? La fille dit qu'il a tapé le boule. Toi, tu dis qu'il a seulement tapé le toutou. Tu étais là. Donc c'est pour ça que tu veux le défendre. En fait, tu veux le défendre parce que tu estimes que j'ai dit qu'il a tapé le boule alors qu'en fait, il n'était que sous le toutou. Mais votre niveau de colère me fait rire. Maman, on dirait la colère d'un petit cafard face à un coq qui n'arrête pas de picorer. C'est-à-dire que tu vois le Seigneur, il sort là-bas, il monte, il descend, il veut s'éclater à terre. Et toi, tu ressors parce que tu as mon macabre depuis. Hein? Que peut donc ta petite colère, non, Pifo? Que peut ta petite colère? Rien. Que peut ta petite colère, mon petit? Ta petite colère ne peut rien, Pifo. Déjà, un, c'est pas moi qui t'a mis dans les histoires du lycée bilingue. Deux, je suis responsable, je suis même quelqu'un qui défend les bilingues. Donc, tu es même un de mes petits que je protège. Tu t'énerves. Et je crois que c'est cette histoire-là, tu traînes ça comme un fardeau. Ça fait que quand quelqu'un parle même ces choses et tout, ça t'énerve. Tu t'es vu t'énerver, tu es sorti, tu as dit que non. J'essaie de détruire l'empire.